Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le sixième épisode de Présente, je reçois Nicolas Dauban. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Vous l'aurez compris, Présente me permet d'inviter des artistes dont j'aime particulièrement le travail. Et c'est vrai qu'il m'aurait semblé fou de ne pas consacrer un épisode à Nicolas Dauban, parce que c'est le premier électrochoc que j'ai eu dans ma vie en rentrant dans une galerie d'art. À l'époque, j'étais encore étudiante en école de journalisme, l'art commençait à me titiller grandement, mais ce que je voulais faire c'était surtout de la politique, et en quelque sorte, je pense que découvrir le travail de Nicolas Dauban a été une des raisons qui, mine de rien, m'a poussée à vouloir devenir critique d'art. Donc vous imaginez un peu la joie que je peux ressentir aujourd'hui à l'idée de faire ce sixième épisode avec lui. Donc merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment super contente. Écoute, merci à toi, je suis très content que tu me reçoives pour tout ça. Voilà, c'est chouette, j'ai pu suivre un petit peu tout ce que tu as fait depuis le début. Je trouve que c'est super, c'est très généreux, et puis tu offres une possibilité de prise de parole, voilà, à tout un tas de personnes qui en ont besoin, et je trouve que c'est chouette. En tout cas, je suis très heureux de faire partie de Présente. Ça voilà. Fait trop plaisir. Bon, merci beaucoup. Il y a de nombreux articles qui te sont consacrés, Nicolas, et qui expliquent que tu as un travail qui aborde essentiellement la question du milieu carcéral. Ce travail autour de la prison, tu l'as commencé en 2008, alors que tu étais encore étudiant aux Beaux-Arts de Perpignan. Cette histoire, on la connaît donc, mais moi, j'aimerais savoir, au-delà de ce qui t'a amené à franchir la porte d'un établissement pénitentiaire, surtout quelle a été la rencontre qui a fait que même plus de 10 ans après, ton travail se concentre encore maintenant sur la question de la détention, de la contrainte et inévitablement bien sûr de la résistance et de la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'en faire ton sujet de prédilection en fait ? C'est vrai que tout se joue en 2007-2008 où je prépare ce qu'on appelait encore à l'époque un DNAP, donc c'est un diplôme pour les troisième années dans le cycle des beaux-arts classiques. Et tout d'un coup, je travaillais beaucoup avec des jeunes, des collégiens, etc., des lycéens, écoles primaires ou quoi que ce soit. J'en oubliais un peu de faire un petit peu des sculptures à l'atelier de l'école, ce genre de choses-là. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire une fin de troisième année qui allait ressembler un peu plus à mon boulot. Je me suis dit que j'allais proposer une sorte de rencontre avec un certain nombre de personnes en guise de pièce pour le diplôme. Et je choisis par intuition, mais aussi par hasard géographique, d'aller faire un atelier pour des jeunes d'une moyenne d'une quinzaine d'années dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, dans le Tarn. Et du coup, je me retrouve à rentrer dans un établissement pénitentiaire avec tout ce que ça veut dire, comment est-ce que tu écris un projet avec le langage propre de l'administration pénitentiaire pour pouvoir avoir une sorte de camouflage camouflage de projet, comment arriver à se fondre dans le truc pour pouvoir une fois être à l'intérieur, proposer un projet qui pouvait être un petit peu en rupture avec ce que me demandait l'administration pénitentiaire, pour ensuite finalement rediscuter de ce qui a été fait, mais qu'est-ce qui avait du sens ou non. Et ça a donné le ton de quasiment tout le travail jusqu'à aujourd'hui. De pouvoir rentrer d'une certaine manière, et ensuite à l'intérieur de proposer des choses qui pouvaient être vraiment en rupture, c'est-à-dire un vrai jeu de au chat et souris, de savoir comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui a du sens dans un lieu tel que celui-là sans être dans de l'animation ou quoi que ce soit, et sortir surtout des propositions artistiques.
Et je pense que justement, comme tu le dis, c'est important d'insister là-dessus. Tu fais pas simplement des œuvres qui ont pour sujet la prison. Tu travailles vraiment avec les personnes détenues. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, que ton travail est aussi puissant parce qu'il est entier et sincère et que tu sais de quoi tu parles. Tu ne disais pas, tu me disais que mis bout à bout, au fil de tes passages en prison pour les ateliers. Le temps que tu as passé là-bas devait correspondre presque à 6 mois de ta vie. Du coup, je me dis qu'à terme, ces personnes, tu dois presque les voir comme des sortes de collègues de travail, en fait. Mais comment ça se passe avec elles et avec eux? Parce que clairement, j'imagine que l'art contemporain, c'est un peu le cadet de leurs soucis, quoi. C'est totalement ça. L'expression collègue de travail, pour le coup, elle est hyper juste. C'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir m'asseoir à leur côté, et je dis bien à leur côté, et pas du tout en face, comme dans une salle de classe, et qui pouvait nous être prêtée pour nous rencontrer, mais m'asseoir à leur côté et leur dire, voilà. J'ai envie de travailler sur les questions de comment est-ce qu'on vit une contrainte très forte. C'est un sujet comme un autre. Comment est-ce qu'on vit avec le désir d'être libre, alors que clairement ce n'est pas possible, etc., etc. Et à partir de là, après cette première rencontre que j'avais fait dans cet établissement pénitentiaire pour mineurs, c'était inévitable pour moi de continuer et d'aller voir d'autres personnes encore et d'autres personnes encore. Parce que de toute façon, un seul atelier en prison ne pouvait pas être représentatif. Donc j'ai continué à faire un petit peu ces investigations. Et ce qui en résulte, c'est que mon travail, plus j'ai travaillé en prison, et plus mon travail s'est élargi, au contraire de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que plus j'ai travaillé en prison, et plus les questions soulevées dans mes recherches se sont retrouvées à aller vers des choses vraiment, enfin, c'est vraiment plus large, c'est-à-dire la question de la contrainte au sens le plus large, la question de la liberté vraiment au plus large aussi. Et plus j'avançais avec les détenus en prison, et plus j'avais ces idées qui pouvaient me venir. Et quand je dis me, c'est à moi, c'est pas tellement juste, parce que c'est finalement en discutant avec les détenus que finalement je me suis retrouvé à aller dans un hôpital, que finalement je me suis retrouvé à aller à retravailler dans des écoles. Parce qu'il s'agit aussi d'univers contraires, que finalement, aujourd'hui, je me retrouve à me balader et prendre des photos dans des forêts qui entourent un camp de concentration, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, mettre les pieds en prison pouvait être le danger de se refermer, comme on l'imagine, sur quelque chose de trop précis, mais finalement, ça a été une réelle ouverture et une prise de conscience que la question de la prison est très large. Elle concerne la famille, elle concerne le couple, elle concerne les amis, elle Bien concerne sûr. des tas de choses. Et donc, du coup, ça m'a aidé à voir les choses un peu plus larges et un peu plus grandes, quoi. Et en intro, j'expliquais que j'avais découvert ton travail à un moment de ma vie où j'opérais un glissement du journalisme politique vers la critique d'art. Et pour moi, c'est pas innocent, à mon avis, que ton travail ait été l'un de ceux qui m'ont poussé à définitivement me lancer dans l'art contemporain, parce que ton travail, s'il revêt une poésie, et c'est indéniable ça, il est aussi profondément politique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est un terme qui te va? J'ai envie de te dire oui, parce que c'est le désir que j'ai, et au final, je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, ce qui est absolument certain, les propositions que je fais ne sont pas faites pour pouvoir avoir uniquement un regard frontal, sur une situation sociale. Elles sont faites aussi pour pouvoir avoir une sorte de divagation, mental, etc. Et peut-être que oui, c'est ça aussi une proposition politique. Ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas des propositions univoques, unilatérales, un truc dans lequel on va que dans une seule direction et on se dit, bon ben voilà, il parle de ça, c'est très clair, etc. Et surtout, ce qui était extrêmement important,
c'est de se dire que dans les propositions que je pouvais faire, j'en sais rien, les livres noirs, la pièce Prohibition avec l'alcool, etc. Enfin, tout ça, je voulais que certaines personnes qui sont dans des dispositions très loin de l'univers carcéral puissent aussi se projeter dans ce que je présentais. Voilà, aussi simplement que ça. Et aussi, l'autre aspect qui pour moi était hyper important, c'est que finalement aussi il y a une sorte d'aspect documentaire. Et par exemple, dans la dernière expo que je fais, où je montre l'hôtel de ville en 1871, ben, à certains moments, je parle plus de mon boulot, avec les gens qui sont venus et avec qui j'ai pu échanger. On parle de la Commune à Paris, 1871, et on parle que de ça, on parle plus de mon travail. Et ça, c'est aussi une satisfaction personnelle, dans le sens où je me dis, si quelqu'un, finalement, n'apprécie pas l'esthétique que je mets en jeu, ce genre de truc-là, au moins, on se retrouve à discuter d'une information qui est donnée. Donc, peut-être, un tout petit peu, il y a une sorte de relais de ce côté-là aussi, quoi, peut-être. Mais c'est bien parce que tu opères toi-même les transitions d'une question à l'autre depuis tout à l'heure, donc c'est parfait. Justement, je voulais te dire qu'il y a ton travail justement autour des prisons, mais comme tu le dis, il y a pas que ça. Tu parles autant de détention, de résistance et de révolte aussi. Ta série Sabotage, je trouve, en parle très bien. En fait, tu construis des espèces d'escaliers en colimaçon qui se vautrent dans l'espace d'exposition. Ces escaliers sont faits avec du béton dans lequel tu as inséré du sucre pour reproduire un geste qui était fait durant la résistance par les personnes qui avaient été faites prisonnières et qui vainement venaient mettre du sucre dans les constructions qu'ils étaient contraints de réaliser pour l'ennemi. Car le sucre a comme propriété de fragiliser le béton. Donc à terme, ils espéraient que tout bonnement ça se casse la figure, quoi. Cette série, on le comprend assez vite, elle parle de résistance donc, mais pas uniquement. T'as commencé à la faire à une période où tu faisais un rejet de ta greffe de rein. Et cet épisode, il reste latent dans ton travail. Tu vas pas en parler systématiquement, mais quand même, la maladie, tu t'en sers, et c'est toi qui le dis, pas comme un sujet, mais comme un matériau à part entière. Et je trouve ça assez intéressant. C'est exactement ça. C'est soit un matériau, soit une information, un document. En fait, cette pièce, cette série de pièces Sabotage, où il y a eu des escaliers, des piliers, et là encore d'autres choses, je tente d'autres choses, simplement pour appuyer sur le fait d'ajouter du sucre dans le béton. Alors c'est quelque chose évidemment que j'ai provoqué. J'étais dans un moment où je réalisais mes dessins, j'étais au tout début où je réalisais mes dessins avec de la poudre de fer, donc avec des choses qui se délitent un peu, une espèce de fragilité comme ça, et j'avais envie d'être dans le volume à ce moment-là, où c'est quelque chose qui n'était pas encore présent dans mon travail. On est à peu près en 2013, on est en 2013, et je décide pour une exposition à la Maison Salvan, une exposition personnelle, je décide de faire du volume, je m'impose ça. Et puis, quand je travaillais sur ça, je faisais des recherches, etc. Et j'étais à un moment donné aussi où je fais des lectures diverses et variées. Et je concentrais mes lectures sur des actes de sabotage. Et puis, je portais plus mon attention sur des actes de sabotage un petit peu autres. Pas toujours ceux qui sont spectaculaires, hein, dans lesquels, je sais pas moi, on éclate des rails de train et les trains se renversent ou je sais pas quoi. Là, c'était plus quelque chose de plus vicieux, peut-être. Et donc, du coup, je tombe sur cette espèce de légende qui s'avère au fur et à mesure du temps vraie, du fait que les résistants balançaient du sucre dans le béton pour pouvoir fragiliser la construction du mur de l'Atlantique. Et à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Tout d'un coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un geste totalement vain, comme tu le dis, et ça c'est génial, parce que on n'est plus du tout dans l'image spectaculaire,
grandiloquente, etc. Et tout d'un coup, je m'intéresse à ça, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant, je fais mes propres tests chez moi, je mets du béton, du sucre, je sais pas quoi, et je m'aperçois que ça crée des cavités, je m'aperçois que tout d'un coup, le volume en béton se met à saigner. Donc voilà, ça c'est assez fort aussi. Là, je fais référence aux films d'horreur que je peux adorer. Je sais pas, par exemple, je te donne Amityville, où on a des murs qui saignent, enfin une maison qui saigne, enfin tu vois, il y avait quelque chose que moi je trouvais très fort là-dedans. Et puis, comme tu le dis, assez justement, à ce moment-là, moi j'étais dans un état de santé hyper fragile, parce que j'avais une greffe de rein qui ne fonctionnait plus, de moins en moins, et qui tout d'un coup... me faisait tenir debout mais tout juste, et puis en fait j'avais la sensation de faire une pièce qui me ressemblait, donc j'avais pris la décision de faire des pièces qui pouvaient évoquer quelque chose de l'ordre du corps, et donc je suis allé vers l'escalier parce que la chaîne ADN hélicoïdale etc. qui tourne. Et puis, au final, c'était ça, c'était la réalisation d'un élément de bâtiment en béton, je rajoute du sucre, le sucre finalement c'est un virus, et en fait, souvent je réfléchis comme ça, c'est-à-dire, voilà, j'ai plusieurs choses qui sont autour de moi, et en fait, la question de la maladie là-dedans, et tu as raison de le souligner et d'insister là-dessus, parce que c'est pas du tout au centre de mon travail. C'est juste un élément supplémentaire qui fait que je bosse là-dessus. Voire même, je crois que je supporterais pas que ça soit au centre de mon travail. C'est un élément qui amène à une réflexion. Voilà. Supplémentaire. Ce que tu dis, c'est excellent. Ouais, peut-être aussi par peur de... Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, hein, mais peut-être par peur de pathos aussi. C'est que souvent, quand les artistes... et on l'a vu finalement aussi dans les derniers épisodes de Présente, quand les artistes ont des vécus assez forts, etc., je trouve qu'il y a aussi souvent cette crainte de se dire que les gens perçoivent ça comme une utilisation, en fait, d'une douleur et un truc un peu pathos qui viendrait comme ça pour séduire, entre énormes guillemets. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui est assez troublant là-dedans, c'est que... On se dit ça, là, tous ceux qui vont écouter, voilà, bon, ceux qui sont au courant ou ceux qui sont pas au courant, ok, voilà, c'est... Ok, mais 90% du temps, quand je parle de mon travail dans un espace d'exposition, dans l'espace d'exposition avec le boulot, je le dis pas souvent. Mmh. Et je me dis que ce qui est intéressant, c'est que la première entrée dans mon travail, ce n'est pas celle-là. C'en est une autre. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit en dessous. Je reprends souvent une anecdote du film Barry Lyndon de... Mmh. Kubrick. Kubrick, merci. Où tout d'un coup, Kubrick dit à ses acteurs, ce serait super que vous portiez des vêtements d'époque au moment où vous dansez, tout ça, etc. Et certains acteurs, apparemment, réagissent en disant, mais non, moi je veux des trucs plus récents parce que c'est super, je vais pouvoir mieux me mouvoir, les gestes, etc. Et en fait, Kubrick dit, non, pas du tout. En fait, si tu portes les vêtements d'époque, en fait, ça va donner une condition à ton corps, une position... qui fait que même si toi tu penses que le spectateur ne va pas le voir, en fait le spectateur va le recevoir. Il va le recevoir, son corps va le recevoir. Il va même pas le comprendre consciencieusement, voilà comme ça en se disant en étant conscient du truc. Il va juste le recevoir, il y a quelque chose qui va passer, une sensation. Donc faut quand même imaginer, Kubrick appuie là-dessus, un sous-vêtement porté par un acteur filmé dans une situation, dans une scène, peut toucher le spectateur qui est dans sa salle de cinéma en train de regarder, enfin avec tous les écarts possibles. Je trouve que c'est hyper prodigieux. Et en fait, la question de la santé, moi, enfin, elle est à ce niveau-là. Elle est juste dans cette inframince. Ouais. Elle porte des choses et 95%, 99% des spectateurs peuvent ne pas le voir, ça ne me pose aucun problème. Oui. Ce dont je suis sûr, par contre, et là, pour le coup, je suis sûr de moi, il n'y a pas beaucoup d'espace dans lequel je le suis, mais là, pour le coup, je suis sûr que ça influe sur la réception sensible de l'œuvre. J'en suis certain. Sinon, de toute façon, si j'en étais pas certain, je ne le ferais pas. Totalement. Et là, pour le coup, réinvestir ce truc-là, pour moi, c'est capital. Voilà. Merci. Ça écrit le... Mm-mm.
On va changer un peu, on va bifurquer un peu et on va aller un peu plus vers du côté de ton exposition au Palais de Tokyo. En ce moment, en préparant cette interview, je t'ai demandé s'il y avait une chose dont tu voulais qu'on parle en particulier. Et tout de suite, tu m'as cité l'œuvre Le Sourire de la République. C'est une œuvre qui est présentée donc en ce moment dans cette fameuse exposition qui est actuellement au Palais de Tokyo et qu'on espère pouvoir voir quand le palais réouvrira. Ça peut paraître étonnant que tu me parles de cette œuvre parce que c'est pas celle qui prend le plus de place dans l'exposition, mais tu vas nous expliquer pourquoi. En fait, on voit une espèce de une dentition qui est encadrée. C'est une sorte de collier de dents, si je puis dire, qui est incliné d'une manière à prendre la forme d'une lame, d'une guillotine. Mais enfin, je te laisse nous en parler. Ok. Oui, effectivement, j'ai souhaité mettre l'accent sur cette pièce-là parce que c'est aussi une des pièces qui prend du coup le moins de place dans l'expo et le moins de place dans les réseaux sociaux, etc. Quand des selfies sont réalisés dans le palais de Tokyo ou des photos souvenirs de l'expo et sont publiées en général, c'est tout à fait autre chose. Un mural en général. Du coup, voilà, j'ai un peu souhaité parler de ça parce que aussi c'est ces pièces-là, pour moi, c'est des sortes de pièces intermédiaires et qui prennent des places finalement qui sont très importantes, au même titre que la clé que j'ai pu faire en Ah, céramique incroyable. dentaire, qui vraiment, et pour moi, c'est des pièces qui sont fondatrices dans le travail parce qu'elles m'aident comme ça à articuler vers d'autres choses. Et elles même, alors ça a été le fruit de longues conversations avec Florent Maubert, mon galeriste. Qui fait un boulot fabuleux. Voilà, c'est ça, et qui me suit vraiment bien. Et donc, j'ajouterai aussi donc Richard dedans aussi, qui est son associé. En fait, cette pièce-là, la conversation que je pouvais avoir avec eux, c'était ce qui était au centre, c'est comment m'éloigner d'une espèce de truc de vouloir toujours être proche d'une information réelle, etc., etc. Et je te dis ça parce que cette espèce de dentition, elle a une usure particulière, elle a une usure qui se rapproche donc de l'usure du couperet de guillotine qui est actuellement dans le musée de préfecture de police dans le 5e arrondissement de Paris. Et en fait, ce couperet de guillotine a donc tranché des têtes aux places de grève anciennement place de l'hôtel de ville. Et évidemment, je fais une représentation de l'hôtel de ville en ruine, je pose des dalles de béton plus ou moins sabotées, donc je fais une représentation de place de grève. Place de grève qui est clairement l'endroit qui concentre la question de la punition de la population, qui concentre aussi des revendications, etc. Et il me semblait important de remettre cet objet de peur et d'expression du pouvoir placé dans la salle d'exposition. Et aussi, c'est un peu la part humaine. C'est-à-dire qu'on a des dents qui sont clairement. Bon, ce sont des fausses dents, c'est fait c'est de la prothèse dentaire, c'est de la résine dentaire qui a été faite donc avec mon beau-frère que je remercie pour l'occasion, qui est toujours là pour m'aider sur ces projets un peu farfelus. Et pour le coup, voilà, cette dentition, elle est là pour marquer un peu une sorte de présence humaine. Et si je l'ai appelé aussi le sourire de la République, c'était pour la resituer un petit peu aussi aujourd'hui. Moi, quand je me balade dans la rue, et c'est ce que je faisais au moment du montage au palais, quand je regagnais le palais pour toutes les longues journées de montage, je passais devant les affiches des candidats à la mairie, comme tout le monde fait dans chacune de ces villes, et comme on fait aussi quand il y a les élections présidentielles. Et en fait, ce sourire qu'affichent parfois certains, ou encore dans des allocutions télévisées, moi je le trouve extrêmement effrayant et j'avais envie de le recoller à la façon dont on effrayait la population à l'époque en baladant la guillotine de ville en ville. Cette guillotine a même été amenée jusqu'en Algérie. Pour pouvoir montrer le pouvoir français, etc., etc.
Et je vais très directement en disant que j'ai la sensation que le sourire de certains politiques vis-à-vis de la situation dans laquelle on peut être est parfois, a parfois le même effet que cette guillotine-là. Et voilà. Enfin, voilà, c'est très direct pour moi, quoi. Voilà. J'aurais rien à rajouter par rapport à ça, ça suffit. Voilà. On va rester sur le palais de Tokyo, qui, on l'imagine, doit être une étape hyper importante dans la carrière d'un artiste, cette exposition. Et je pense que c'est cool en plus qu'on puisse en parler là, parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditoristes qui sont assez jeunes et qui sont soit en début de carrière, soit encore en études. Et du coup, j'imagine que c'est un petit peu une espèce de Saint Graal, le Palais Tokyo, mais tu en parleras. J'ai trouvé quelque chose d'assez fort lorsqu'on en a discuté tous les deux, c'est que tu m'as pas parlé du vernissage, des retours qu'il y avait eu dans la presse, etc., ou autre, mais tu m'as parlé du montage de l'exposition, du fait que tu l'avais fait avec des amis, avec des régisseurs et des régisseuses que tu connais et que tu apprécies. Et tu m'as tout de suite dit que le premier truc que tu avais fait, c'était cloisonner ton espace et fermer toutes les portes qui permettaient aux personnes du palais de pénétrer dans ta salle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que je pense que ça permettra aussi aux auditeuristes de comprendre la manière dont tu travailles et plus largement la manière dont tu conçois aussi ton parcours d'artiste dans son intégralité, je pense. Cette action de fermer la salle d'exposition est arrivée à un moment donné pour deux raisons. La nécessité absolue de couper avec le fonctionnement du palais. Quand je dis le fonctionnement du palais, c'est que enfin, la première semaine où j'étais là, il y avait quelque chose comme 70 monteurs qui traversaient les espaces. C'était impressionnant. Donc ils s'arrêtaient souvent, ils passaient, c'était très sympa d'ailleurs de pouvoir discuter avec eux, etc. Mais tout d'un coup, moi je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me ferme dans le truc, enfin que j'arrivais pas à me concentrer sur le boulot, et j'avais des problèmes aussi techniques de séchage sur un double face, je sais pas quoi, bon bref. Et puis je vais voir Alex, qui était le responsable de la régie de mon expo, et je lui dis, il faut vraiment qu'on ferme la salle d'expo parce que j'en ai vraiment besoin, et techniquement et aussi pour la concentration du travail. Et donc on ferme la salle avec un panneau, voilà, enfin tout était fermé. Bon, bien sûr ils pouvaient venir, mais il n'y avait pas de vue perpétuelle sur les copains et moi en train de bosser. Et ce qui était super agréable, c'était que lorsque je passais l'entrée du palais, ensuite je descendais les escaliers, etc., je suis dans mon espace, et en fait, j'ouvrais le paquet de madeleine du matin, avec les copains et copines assistants, et en fait, j'avais la sensation d'être n'importe où. Et là, pour le coup, sciemment, je vais dire, j'avais la sensation d'être à lieu commun, je les cite volontairement parce que ce sont des gens qui m'ont aidé, donc lieu commun, je pouvais être à la chapelle Saint-Jacques, à Saint-Gaudens, je pouvais être à la maison de Salvan, enfin, à Perpignan, à la licence 3, je pouvais être, voilà, enfin, je vais en oublier, c'est sûr, mais au centre d'art d'Albi, etc. Et si je cite tous ces lieux aussi, c'est pour dire qu'en fait, pour répondre à la première partie de ta question, c'est que le palais de Tokyo est une fenêtre de visibilité hyper forte, mais ce n'est pas indispensable. Pas du tout, loin de là. Ce n'est pas indispensable, mais c'est très clair que sur la question de la visibilité, ça aide. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de toute façon, ça extrapole les possibilités et les impossibilités. Ceux qui n'aiment pas ton travail ne l'aiment toujours pas. Et du coup, ils peuvent toujours se dire, bon, mais vraiment, c'est pas trop mon truc. Mais ceux qui l'aiment peuvent toujours l'aimer. Voilà. Et ça, c'est super. Et ça renforce des trucs. Mais ce qui est certain, c'est que c'est visible au plus grand nombre. Donc, en fait, tu agrandis tes possibilités d'avoir des personnes qui peuvent apprécier ton travail et continuer à t'accompagner plus tard, ou que sais-je. Donc ça, c'est super. Mais ça ne fait pas une carrière en soi. Ça, c'est clair, honnête aussi. C'est, voilà. Mais ça aide. Et en tout cas, c'est pour moi, c'est durant tout le montage, jusqu'à qu'on mette mon nom dans des grosses lettres
dans l'espace et un peu partout dans le palais, au-dessus du café ou je sais pas quoi. Enfin, moi, quand je bossais là-bas, j'étais partout là où j'ai pu être avant, soutenu dans ces lieux, plutôt dans le sud de la France. Pour moi, ça ne changeait strictement rien. Évidemment, les 3 derniers jours, un peu de pression, tout ça, qui faisait que tout d'un coup, voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose. Mais, et puis de toute façon, c'est aussi le fait d'avoir pu travailler aussi avec des régisseurs du palais, bien sûr. Il y en a qui m'ont aidé, c'est super. Et aussi avec des gens qui m'entourent depuis quelque temps, quoi. C'est bien qu'on parle de visibilité parce que ça me permet d'arriver à ma toute dernière question que tu connais, je crois. C'est une question que je pose systématiquement à mes invités. Cette question, elle est relative à l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas, tu réussis à vivre de ton travail d'artiste? Alors, c'est une question auquel j'ai du mal à répondre parce que je suis aussi enseignant. Alors parfois, mon salaire en tant qu'enseignant est normalement rentable. Parfois, il ne l'est pas du tout parce que quand je dois revenir à l'école d'art de Tarbes, parce que c'est précisément là-bas dans lequel je peux bosser avec des élèves et toute une équipe de profs, ben en fait je fais des tas de trajets qui font que je dépense les 3/4 de ce que je gagne. Mais je joue le jeu, de toute façon c'est moi qui l'ai choisi et puis voilà. Donc je me plains pas, mais c'est sûr que en fait certains mois c'est super rentable, c'est génial, d'autres non. Si j'étais plus enseignant, honnêtement je pense qu'il y aurait, ce serait juste, je pense que j'y arriverais. Il y a 2, 3 projets en ce moment qui, si ça passe, me permettraient aussi de prendre plus de temps pour moi. Mais je crois que je pourrais dire oui. Mais loin de là, le fait de me dire que par exemple, dans 2 ans ou 3 ans, ça soit toujours le cas. C'est complexe. Et puis c'est aussi biaisé aussi comme réponse parce que, étant donné que j'arrive à réunir mes 1 400 euros par mois en tant qu'enseignant, parfois je continue à tenter des pièces dont je sais pertinemment que je vais soit les jeter, soit c'est pas du tout commercialisable, etc. etc. Voilà. Donc je m'octroie encore cette liberté-là. Ceci dit, je suis parfaitement conscient que j'arrive à vendre quelques pièces de temps en temps parce que je suis aussi très bien accompagné pour ça. Donc voilà. Je réponds pas Bah totalement, merci pour mais. ta franchise. Bah si, attends, carrément. Si, au contraire, merci pour ta franchise. Et puis bah merci aussi d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'au moment où cet épisode sortira, on en saura plus sur l'avenir de ton exposition. Merci également à vous toutes et à vous tous d'écouter ce podcast que je vous prépare chaque semaine avec beaucoup d'amour. Merci enfin à David Walters pour le générique. La semaine prochaine, on continue avec Estelle Deplaine, qui est une photographe qui fait de l'urbex. Donc elle aura plein d'histoires à nous raconter sur ses périples aux quatre coins du monde, là où personne ne se rend. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Merci Camille, merci, merci.